Même comme j'ai oublié mon chapeau là-bas. Ça va, c'est pas grave. Tu sais, tu es une abonne naturelle, c'est ça qui me plaît bien sur toi. Papa, dis, tu sors d'où? Tu as dormi où? Ça te regarde encore. Comment ça, ça me regarde pas? Hariko et moi, on est rentrés ici la nuit, on a cassé la porte, on a dormi. On a laissé la porte ouverte parce qu'on savait que tu devais revenir. De et c'est maintenant que toi, tu rentres. Je ne te cause pas, je suis en train de causer à mon frère. Baba, dis, tu as dormi où? El Piso, bonjour, ça te va? On peut passer maintenant. Ça ne va pas. Comment est-ce que tu m'aimes comme ça, non, Babadi? Hein? Nous, on a laissé la porte ouverte, on a dormi sous le danger parce qu'on savait que tu devais revenir. Quand tu reviens maintenant, tu m'as dit que ça va, ça va. Pour toi, c'est suffisant. Gars, tu as dormi où? Dis-nous, rassure-moi au moins. Bepizo, comme tu te soucies, Claude, de moi, nous avons passé la nuit à la place des fêtes, à la Belle Étoile. Ah! Donc, nous, on a dormi en danger ici. Hier, tu nous as empêchés de casser la porte parce que tu savais que tu allais dormir à l'hôtel Belle Étoile à la place des fêtes. C'est ça, non? Bepizo. Ne sois pas bête. Dormir à la Belle Étoile ne veut pas dire qu'on a dormi à l'hôtel. Ça signifie tout simplement qu'on a dormi dehors. Donc vous aviez fait? Vous aviez d'où là-bas? Et puis, pourquoi il faut toujours que vous mettez votre tête sur les roues du douage? Vous avez d'où? Vous avez fait? Est-ce que l'amour c'est ça? Lorsqu'on aime une personne, on veut fusionner avec cette personne spirituellement, physiquement, intellectuellement. On veut toucher cette personne, on veut la ressentir, on veut la serrer contre soi, lui montrer ton amour, quoi, pour la mettre en sécurité et en confiance. Mais je te promets que nous allons le faire après le mariage, d'accord? D'accord, mon cœur. Bétulesse. Depuis, c'est quoi? Okay. Il y a quoi? Maman dit, c'est que tu m'as eu. Tu m'as eu. Pourtant, en prison là-bas, tu étais bougre. Tu n'arrivais pas à faire ça, mais cette fois-ci, non. Tu m'as eu. Tu es tellement sérieux dans l'histoire. Et elle ne se rend pas compte que tu es en train de lui mentir. Tu es en train de la madouer, tout ça pour finir avec elle dans la chambre. Tu as les prisons? Non. Tu es fini. Tu es fini. On a gagné. On a gagné. Oui, dès qu'il va finir avec toi, il va t'abandonner. Maintenant, je te comprends, mon frère. Bel Piso, c'est la vérité. Je ne suis pas en train de blaguer. Donc, tu es sérieux? Je suis sérieux. Moi, je l'aime. Je suis avec elle. Je suis avec elle. Hein? En passant, Hariko et où? Parce qu'il va falloir que nous, on aille se reposer. On est un peu fatigué. Hariko n'est pas là. Hariko est sorti avant que je ne me réveille. Peut-être que lui aussi, il a décidé d'aller dormir à la Belle Étoile sous le soleil. Je ne sais où. Et c'est quand moi, je sors que moi, je vous retrouve ici en train d'arriver avant la maison. Je t'amène manger un petit bout de l'autre côté du restaurant du quartier. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Del Piso, je ne veux pas les problèmes avec vous. Il faut déjà aller arranger la porte que vous avez cassée. Il faut laisser, il va arranger. Non, il faut qu'il arrange ça. Non, il va arranger. Nous, on s'en va manger un bout. Pour arranger la porte, là, moi-même, il me faut de l'énergie. Donc, on peut manger ensemble, je vous suis. Tu as l'argent? Mais si vous mangez, moi aussi, je peux manger. La baisse. Et puis, il y a quoi? Bébé. Bon, mademoiselle, arrêtez. Ah non, arrêtez. Babadi. Salut, Babadi. Babadi, salut. Piso. Oh. Qu'est-ce qui se passe?
salon de Babadi. En Kouniafé. Je ne sais pas si c'est la bouillie de bananes qui est dans leur tête. On ne les comprend plus. Tout sonne, il y a dingue. C'est depuis quand? Hier. Moi, je ne l'ai pas connu comme ça. Et depuis hier qu'il est devenu comme ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Attends. Un pour moi. Un pour toi. Je vous ai affouillé partout. Je suis arrivé chez la mère où vous voulez souvent les biens là. Je ne vous ai pas trouvé. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as sur la main là? Je vais la voir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est pour ça que vous cherchez. C'est une histoire qu'on doit s'asseoir à quatre ou trois mains. Désolé parce que tu es celle Babadi occupée. Elle ne me gère pas. Elle n'a pas de problème. Toi, t'as pas. Mets-toi en copine. Avec toi, ensemble. Avec moi, ensemble. Ah, je te connais. Tu veux me piéger pour me faire le bouche à bouche. Et si tu te dis que tu es con, non. Si tu me permets, je vais te dire ce qui se passe. Parce que normalement, il va aussi être comme vous. Il manque du respect en nous maintenant un policier. En disant qu'il va aussi m'envoyer en prison, comme vous avez fait l'autre jour. Là, vous êtes des millionnaires. Vous êtes rentré de la prison avec de l'argent. Il y a des projets que vous êtes en train de réaliser. Et vu que ça donne. Mais moi, à ma grande surprise, on m'a relâché. Ma main est cassée, on m'a tabassé. On t'a même raté. On devait te casser toutes les parties du corps, le pied, la jambe, les dents. Hé, Pizzo, j'aurais préféré, même si on me cassait tout ça, mais on m'envoyait en prison. J'allais être traité là-bas, de manger aussi ce que vous avez mangé. Regarde comment tu es comme le porc. Tu es gros, Pizzo. Attention, je ne te permets pas. Aller en prison ne veut pas dire que tout le monde sera forcément riche. Voilà pourquoi tu as échoué. J'ai échoué et je ne vais jamais laisser. Non. Je t'ai eu. Il y a quoi là-bas, gars? Oh my God. C'est deux dingues. Il y a un fou et une folle. L'histoire, ça ne peut pas finir comme ça. Donnez-moi votre secret. S'il vous plaît. Notre secret pour aller en prison. Et réussir. Mais pourquoi tu regardes Del Piso et plus la vie? Toi, tu n'entends pas ce qu'il te dit. Il dit que tu ne m'aimes pas et que tu me manques. Mais tu m'aimes, non? Je t'aime, Aka. Son avis n'est même pas d'abord important. N'est-ce pas? Je m'en fous de ce qu'il peut penser. Mon amour pour... Tu m'adores, non? Oui, je t'adore. B. Tu peux décrocher la lune pour moi, non? Oui, Bé, je peux décrocher la lune pour toi. Mais sauf que comme ce n'est pas encore la saison de la lune, je ne peux pas la décrocher. Tu m'as encore dit que tu t'appelles comment, là? Bé, tu oublies mon nom. Je connais ton nom. Tu as compris, non? Je connais bien ton nom. Mais c'est comment on s'appelle tout le temps B. Je t'appelle B. Tu m'appelles B. On s'appelle B. Et puis B est venu effacer ton nom dans ma tête. B, je m'appelle Clarence comme la clarté. Clarence comme la clarté. Je peux mourir pour toi. Aïe! Mourir pour toi! Je vais mourir pour toi! Je vais mourir pour toi! Mourir! Gabani! Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas mourir pour qui? Tu vas mourir pour qui? Pourquoi tu m'enlèves en route? Tu vas mourir pour qui? Tu vas mourir pour qui? Tu vas mourir pour qui? Hein? Pourquoi tu m'enlèves en route? Je t'ai enlevé en route. Je t'ai enlevé de la route. Moi, je t'ai enlevé de la route. Je vais mourir pour elle. Ne me touche pas. Je vais mourir. Ne me touche pas. Tu m'enlèves. C'est mon frère, c'est pas ton frère. Je t'ai enlevé de la route. Tu m'enlèves. Tu vas mourir pour qui? Toi. Ça a même commencé quand? Ça a commencé quand? Pourquoi tu m'enlèves en route? Pourquoi? Moi, je t'ai enlevé de la route. Hein? Babadi, excusez-moi, pardon. Moi, je ne comprends rien. Demande-lui, ça a commencé quand? Hein? Biakolo. Ça, notre amour était là depuis, mais je ne savais pas. On a mangé le poulet, c'est où? On a découvert qu'il y avait l'amour entre nous. Pourquoi elle me refusait d'avoir le poulet. Après, quand elle m'a donné le poulet, là, on a mangé. J'ai mangé, elle a mangé, et notre amour est né. Papa dit pourquoi tu es méchant comme ça? Donc vous avez mangé le poulet, vous même pas pensé à moi. Vous avez mangé le poulet, deux plats seulement. Jaloux.
espèce de jaloux. Il t'a dit tombe amoureux. Jaloux. B, tu as vu non? Il t'a dit que je peux mourir pour toi. Comme il est jaloux, il m'empêche de mourir pour toi. Je lui dis que je veux mourir pour toi, mais tu n'es pas fâché, non? Tu vois le cœur de Babazi? Ils ont mangé le poulet à deux! Si tu veux, je mets ici alors. Je mets ici. Pardon? Ils ont mangé le poulet? Oui, ils ont mangé le poulet à deux, tu vois pas comment il dit? Tu as aussi mangé? Non, j'ai pas mangé le poulet! Je t'ai vu. Tu as fui la mort. Je n'ai pas fui. Ça veut dire que tu as fui mon amour. Non, ne gronde pas. Tu vois que depuis que je suis arrivé, tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas avec Babazi. Non, je n'ai pas fui B. Regarde comment depuis où elle est venue me pousser de la mort. Il y a des chasseurs qui utilisent le remède. Parce que même moi, j'ai souvent les mercredis, moi, je parle le remède. Mais jeudi, samedi aussi, je parle le remède. Je pense que hier, c'était samedi. Non. Donc, ce qui se passe, c'est que le poulet qu'ils ont mangé là, il y avait quelque chose dedans. Je vous jure. Non. Tu avais le charme dans le poulet là. Si vous doutez de moi, il a mangé quelque chose. Parce que c'est vraiment bizarre le genre que le gars s'est déjà déconné ici là. Il ne veut même plus nous écouter. Il est tellement amoureux, le genre d'amoureux que même les amoureux, même étant amoureux, ne peuvent pas être amoureux comme ça. Ils ont payé ça ou bien ça s'est passé comment est-ce non, c'est Waza qui nous livre cela. Nous... Hey, il faut qu'on cherche Waza. Ça peut être Waza. Tu connais la maison de Waza? Un grand chasseur qui connaît les chameaux comme dans la nourriture, mais ne connaît pas là où la maison de Waza. Il faut qu'on recouvre la maison de Waza. Et pour recouvrir la maison de Waza, il faut qu'on parte avec Babadi. Je ne peux plus laisser Babadi ici. Je n'ai pas dit que c'est Waza. Et la personne qui a donné le poulet là, je ne sais pas. Ouais, c'est Waza qui livre soit la nourriture. Il faut qu'on recouvre Waza. Je n'ai pas dit que c'est Waza. Ouais, on prend Babadi, on part avec lui. On la reconnaît pas là. Il faut que j'assume. Babadi. Babadi, viens. Tiens, on parle même, non? Oh, ouais, Babadi, je dis, laisse même le cul en bas, non? La tu vois ce qu'elle est en train de faire? Tu viens de vouloir mourir pour elle, elle ne sent pas que tu as fait une preuve d'amour pour elle. Hein? Tu viens de faire preuve d'amour que tu viens de faire pour elle, mais elle se dit que non, toi, je devais mourir, vrai. Hein? Il faut qu'on parle d'abord. Bon, essayons un truc, on part, tu vois, non? Si elle te suit, ça veut dire qu'elle t'aime. Vous pensez que je ne sais pas, je n'entends pas ce que vous avez en train de dire là, j'entends. Mm-hmm. Ah bon, hein? Oui. Tu entends? Oui. Ok. Puis où? Allons. On part. B. Oh, c'est ce que tu as dit, c'est vrai. Comment elle t'aime, elle va te suivre. B. Écoute ton cœur. Écoute B. Yvan, écoute pas ces choses. Ah, c'est quoi? C'est Babouche. Chapeau. Pourquoi tu réagis comme ça là? Je te dis que attends, je veux... allons comment vous partez où avec mon gars? Ça te regarde en quoi? L'épisode. On part où? Wazata est à livrer aujourd'hui. Il devait me livrer aujourd'hui. Il m'a livré hier. Et hier là même, il disait que c'était le dernier tour. Et je lui ai dit que ce n'est pas le dernier tour. Et ça tombe même bien comme tu es là. Tu m'accompagnes chez lui. Attends, tu connais où Wazata habite même? Non, je connais pas. Je crois que toi tu connaissais non? Tu. Bon, il ne connaît pas. Sûrement, on va le retrouver là où on l'avait retrouvé la dernière fois. Mmh, on part. On part. Ouais, laisse les hommes marcher. On part, nous ne sommes pas. Ah. Je voulais mourir, non? C'est Delphine qui me casse qui est venu m'enlever de la mort. Je n'ai pas esquivé, c'est la moto qui m'a esquivé. Après ça, Delphine est venu tomber sur moi. Que je lui dis que laisse-moi, je meurs. Delphine, il n'est pas là. Mais je ne sais même pas pourquoi nous sommes venus ici. Il n'est pas là. Oh. Toi aussi, tu exagères. Et s'il n'est donc pas ici, ça veut dire qu'on va le retrouver nulle part ailleurs. Mais Delphine, toi, tu ne sais à rien dans l'équipe. À rien du tout. Nous sommes ensemble avec Waza depuis, mais tu ne connais même pas où on peut le trouver en dehors d'ici. Tu es aveuglé par l'amour. Tu es à... Tout ce que tu dis, rien n'est normal. Rien n'est normal. C'est normal. Ça ne vaut pas la peine avec vous. Donc, vous vivez avec quelqu'un, il vous sert à manger, mais vous ne connaissez pas de la vie. Vous venez faire rien, Delphine, c'est quoi? Vous buvez tout ça, donc personne ne connaît d'où on peut retrouver. Ouais, ici c'est sa maison. Donc ça veut dire que comme on marche ensemble, voilà, personne ne connaît d'où je reste. Ça nous sert à quoi? Où tu restes, nous sert à quoi?
Oh, toi, tu nous sais même à quoi? Tu nous sais à quoi où tu es, où nous sommes venus avec toi là. On vient avec toi parce qu'on sait que tu es un chasseur. Tu as le sens de l'odorat. Voilà, okay. C'est toi qui devais repérer partout où Waza se retrouve. Mais là, tu es perdu avec nous. Tu ne sais à quoi et tout, c'est cela. Il ne chasse pas les hommes, il chasse les gibiers. Ne te fâche pas, je vais manger tout le temps. C'est parce qu'il y a les piquants ici, c'est que je mourrai ici. Oh, laisse pas concentrer là-bas. Tu sais ce qu'on a en train de chercher, non? Je cherche Waza, tu cherches Waza. Mais reste pas concentré. C'est vrai, Waza. Oh, c'est vrai, il devait me livrer même aujourd'hui là. Oui, et celle-ci, elle veut que tu dis tout. C'est quoi avec toi? Petit, tu fais quoi là-bas? Bonjour. Bonjour, oui, tu es perdu. Vous cherchez qui? On cherche Waza. Tu peux connaître où il habite? Vous cherchez mon maître. Waza a déjà les élèves. Tes disciples? Oui, l'élève de Waza. On cherche Waza. Toi, tu t'appelles comment? Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Tu peux donc aller avec nous où Waza se trouve. Il vous doit quoi? Rien, il nous a rien fait. C'est nous qui avions des choses à lui remettre. Tu peux connaître où il habite. Vous, c'est qui même d'abord? Moi, c'est Del Piso. Moi, c'est Babadi. Lui, c'est le chasseur et elle, c'est une fille qui est perdue. Tu es malade, une fille qui est perdue. Tu appelles la femme de qui une fille qui est perdue? Méfie-toi. Lui, c'est Babadi, moi, c'est Del Piso. Les grands, il m'a beaucoup parlé de vous. Voilà. Et toi, tu voulais faire depuis comme si tu ne nous connais pas comment? Enfin, alors comment faut pas? Quand il n'est pas ici, il reste où ailleurs? On va te donner le bonbon. J'ai déjà un. Ok, comme Waza aime les choses fortes, on va donc te donner le dontol. Je ne bois pas ça. Bon, ça va. Tu veux être comme nous, non? Je ne veux pas être un prisonnier. Mais nous, quand on est sorti là-bas, on est devenu riche, on a l'argent. On va vous rendre heureux. Donc, bon, tu sais, tout à l'heure, tu as dit que tu nous connais, que ton maître t'a parlé de nous, non? Oui. Voilà. Et ton maître nous a dit que si on te voit, on te demande où il se trouve, tu vas nous montrer là-bas. Tu respectes ton maître, non? Oui. Voilà. Il faut nous amener où il y a ton maître. D'accord? Oui. On fait donc comment? On te retrouve là-bas, tu nous retrouves ici. Non, n'approchez pas. Monsieur Barrière, il y a Corona dehors. J'ai une solution. C'est quoi la solution? J'avance et vous restez derrière moi à 2 mètres. Il n'y a pas de problème. Là, dit qu'il avance, on reste à 2 mètres de lui. Avec la fille. Ok, pas de soucis. Vous avancez, on vous suit derrière. Déjà, petit, il avance avec quelle fille? Il avance avec quelle fille? Non, je ne veux pas. Pas. Tu n'avances pas avec lui. Ça n'en petit, Urodurbanga. Si vous ne voulez pas, alors, vous continuez votre route. Non, laisse pas. Écoute, il avance avec qui? Si vous nous aider, tu vas nous gâter. Un enfant qui disparaît là-bas. C'est notre dernière piste, c'est notre dernière chance. Il ne pourra rien faire. C'est pas comme avec toi, non? C'est un sorcier. Tu vas avancer. C'est pas un sorcier. Ne fais pas que j'arrive là-bas. Oh, Babadi, tu arrives là-bas comment? Laisse-moi. C'est même comment avec toi? C'est même comment? Pan. Dépêchez-vous, je suis pressé. Laisse, on va vous suivre. Dites-moi, livre, on va le dire. On va dire comment? Pèse, non. Rendez chez vous. Waza. Arrête-toi.
Arrête-toi. Fais ça. Fais ça. Tu vas aller, Iso, c'est quoi? Aïe! Maman! Mamadi! 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 Mamadi!